fils de pute. Et ça fait en fait qu'on peut pas toucher ça. Les Macs, ton Mac, ça fait. L'équipe, là comme d'habitude, c'est Saphir, il y a pas pire. Aujourd'hui, je suis avec Manon. Salut Manon. Salut. Et aujourd'hui, on a décidé de pranker un peu toute la villa et surtout Idrissia. Et en fait, du coup, il y a Manon, elle va devoir masser l'idée. Mais il y a Idrissia. Je vais lui dire ah, mais t'as des coups de soleil, tu veux pas de la crème? Puis ça, tu te mets bien dans ton rôle, on dirait, genre t'es excité et tout. Arrête. Non, mais j'aime bien. Non, mais surtout, il faut savoir un truc, c'est que Manon a quand même fait énormément de sport. Donc elle a un corps magnifique. Regardez comment elle est. Ah tiens, direct, j'allais dire fais, au pire des cas, reste comme ça, mais c'est pas grave. Ça risque de rendre jalouse quand même à bas l'Idrissia, surtout qu'Idrissia la connaît à peine, d'accord? Ouais, on s'est vu deux fois. Voilà, donc du coup là ça va faire un truc assez chaud. Donc pour commencer cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de t'abonner, de liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi bien sûr de t'abonner à Manon, d'accord? Manon Insessen. Voilà. Et si ça sera marqué tout ça dans la description, putain, un truc qui me pique. C'est ouf. C'est un truc de malade. Et c'est parti pour le prank, ça a pété des plombs. Il a trahi tout le monde? Il a quitté la bande? Mais il a trahi. Ouais. Et moi, c'est qui Bichou? Bichou, c'est un youtubeur, c'est un instagrammeur. Non, c'est un twitcher. Putain, mais t'es vachement rouge l'idée là. C'est un mec qui fait des trucs sur un Twitch. Mais en plus, tu peines déjà. J'ai pas compris. Tu veux pas que je te passe de la crème là? Allez, je fais la Bichou, il a fait une belle carrière, mais. Sur la crème, vas-y. Tu te rouges, j'ai dit Michou. Qui t'a pris la crème? Ouais. J'ai pas de problème, moi. Oh! Oui! Quoi? Oh. Chérie Coco! T'as vu, t'es sur le dos et tout, hein? Ça veut dire quoi ça? Ton frère là? C'est bon, je lui mets de la crème. C'est de la crème, dis-moi t'es qui maintenant, je pourrais en passer à Esteban, je pourrais en passer à tout le monde en fait. Idrissia, c'est pas parce que le bof il met de la crème qu'il est gay, hein, c'est rien. Pourquoi je vais te frapper le pouce là? Il y a une différence entre le bof qui lui met de la crème. Mais c'est pas grave. Une gadji qui lui met de la crème. Elle m'a proposé parce qu'il est cramé. C'est pas juste. Mais c'est quoi, de quoi elle t'a proposé? Toi tu dis oui en plus, c'est vraiment normal. C'est normal, mais bien sûr, moi aussi je vais demander à. Allez, mais tu sais quoi, Mathias. Mathias, c'est bien, il met de la crème maintenant. On fait quoi? Je suis très calme. Tu m'en mets? Est-ce que tu me demandes de t'en mettre? Non. Pourquoi tu lui demandes d'aller de t'en mettre? Elle m'a dit gentiment. Pourquoi tu lui demandes d'aller? Elle a pris l'initiative. Elle m'a dit gentiment. Et quoi? C'est normal d'accepter l'idée? Tu veux de la gueule du monde ou quoi? C'est marqué plus sur le menton. Elle m'a dit gentiment, tu veux de la crème? Moi je dis oui. Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu dis oui? Il y a du soleil. Oui. Il y a du soleil. Non. C'est de l'après-soleil. C'est de l'après-soleil. Je te jure, je serais tellement dingue. La vie de ma mère, faites-lui fermer sa gueule si vous voulez pas que je la noie dans l'eau maintenant. Et toi, arrête de parler. Ça sert à rien de le défendre. Il y a rien à défendre. Ferme ta gueule, c'est pas fait méchamment. Je vais aller voir un mec, je vais dire excuse-moi, est-ce que je peux te mettre de la crème? Non mais c'est un ami. Allô, c'est pas un ami, on la connaît pas. On ne la connaît pas, ça fait deux jours. Elle a vu plusieurs fois déjà. Non, elle a fait quoi? Elle a fait une villa, elle a fait un nouvel an.
avec nous. Elle a rien fait avec nous, on la connaît pas, Lydia. Arrête de mentir. Arrête de mentir, mais c'est pas vrai. Sois un peu. La meuf, ça serait une amie à moi, il n'y a aucun problème. Ça serait une amie à moi, il n'y a aucun problème. C'est pas une amie à moi. C'est une meuf qu'on ne connaît pas, Lydia. La prochaine fois, tu appelleras une de ses amies, comme ça, tu mets la crème. La vie de ma mère t'appelle Lisa, il n'y a aucun problème. Arrête, tu veux faire le mec de ma mère, je fais trop le mec devant tes potes, toi. Mais j'ai rien fait, arrête un peu. Lydia, t'es un vieux mec. Vieux mec. Et toi, t'es une vieille meuf. Plus que vieille meuf, même. Oh là là, mais je sais pas. Mais merci Manon pour. Mais j'ai rien pour la parce que maintenant je suis dans la merde. Merci, super. Elle a rien fait jusqu'à maintenant. Ouais, t'as pas besoin de ça. Mais ça va. Je suis refusé en vrai. Ah oui, t'as dit oui. C'est rien fait, c'est la crème. Tu connais sa femme. Non. Vas-y, détruis ta peur. Vas-y, arrête. Ah, il veut de la crème, regardez, t'es enculé, il veut de la crème, lui. Non, je m'intéresse qu'au mec en couple. Il veut pas, lui, avec son petit cul, là. Le mec en couple, on la bouge. Qu'est-ce qu'il a pour d'athlète? Je m'intéresse qu'au mec en couple. Non, c'est bon, arrête ta connerie, arrête tes conneries. C'est un prank, regarde. J'en ai rien à foutre. C'était un prank. À partir du moment où c'est un prank, frérot, tu mets pas de la crème sur le dos. Non, c'était un prank, on a fait. Non, mais attends, c'était un prank. Rien à foutre. Prank, pas prank, frérot. C'est un prank, c'est un prank. Il y a tous les mecs de la terre qui vont venir me toucher le dos maintenant. Je suis de pute, moi. Le bas, il veut te passer le dos. Ouais, t'arrives, hein. Non, mais je crois que t'as pas tes chances. Regarde ton dos. Tu vas pas le montrer, ton dos. Bon, mais les gars, c'est une fin de vidéo, n'oublie pas. Les gars, c'est une fin de vidéo, merci à Manon. Bon, maintenant, elle te déteste. Et je tiens à préciser, tu es la deuxième personne. On a bien joué. Ah, moi, je l'ai un peu chauffé un peu quand même. Ouais, il fallait chauffer un petit peu le moteur français, hein, tu vois. Bah oui, t'es dans la merde. Mais ça va, au pire des gars, tu fais un petit bisou, c'est un prank. Vas-y, dis-lui, tu fais un truc parce que tu veux. Mais je lui dis, elle a dit, je m'en bats les couilles. Lucien, c'était un prank. Écoute. Lucien, c'était un prank. Ta gueule. Je sais déjà la réponse. J'ai pris une douche avec, mais c'était un prank, ça va.